Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir le microcontrôleur 16F877. Alors le 16, comme vous le connaissez déjà, ça permet d'indiquer le type de la famille midline. Donc c'est une famille qui travaille sur 14 bits. Le F indique le type de la mémoire flash utilisée. Le 877 indique tout simplement la référence de ce circuit ou bien l'identification. On peut ajouter d'autres chiffres pour indiquer la fréquence maximale. Voilà ce petit tableau qui permet de faire une petite comparaison entre le 84 et le 877. Alors, donc, on voit bien qu'il y a une différence au niveau de la taille mémoire, au niveau de la fréquence, au niveau du nombre du ports, l'existence du convertisseur analogique numérique dans le 877, qui est l'objectif de notre séance aujourd'hui. Bien sûr, d'autres périphériques existent dans ce circuit qui peuvent pour pouvoir faire une communication et une connexion avec d'autres systèmes à base de microprocesseurs. Et bien sûr, le timer, le 877 possède trois timers, le 288 et un de 268. Alors, voilà l'architecture interne de ce circuit. On voit très bien qu'il y a des choses communes. Donc, déjà vu dans l'ancien, comme la mémoire programme, la mémoire EEPROM, la mémoire RAM, constituée de registres spécifiques, d'accord, à usage spécifique, qui aident à la configuration de plusieurs registres. Aussi, les registres à usage général, les GPR, le registre, l'accumulateur ou bien le registre de travail, l'unité arithmétique et logique, le timer, le chien de garde, le port A et le port B. Alors, la particularité de ce circuit, alors ce qu'on voit d'autres interfaces, si vous voulez, ou bien d'autres périphériques, la chose qu'il n'avait pas dans l'ancien. Bien sûr, un nombre de ports donc, a été ajouté, le port C, le port D et le port E, le convertisseur analogique numérique de résolution limite, deux modules de capture comparaison qui permettent de générer un signal MLI et des interfaces de série, par exemple synchrone et asynchrone. Sur cette figure, on voit le branchage externe du circuit 16F877. Alors, il est constitué de 40 broches. Bien sûr, ce nombre de broches vient du nombre de lignes d'entrée-sortie qui est de 33. Bien sûr, l'alimentation, la masse, l'oscillateur et la réinitialisation ou bien la mise à zéro. L'organisation de la RAM. Alors, on sait très bien que la RAM est organisée en deux parties, ou bien en deux grandes parties. Les registres spécifiques qui ont fixe, qui ont leur adresse, qui ne bougent pas, qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas modifier leur emplacement, et des registres à usage général, les GPR. D'accord? Donc, ici, vous pouvez utiliser les adresses comme des variables, des registres pour l'utilisation dans votre programme, comme vous voulez. Alors, ici, nous avons quatre pages. Donc la page 0, la page 1, la page 2 et la page 3. Comme vous voyez, il y a plein de registres spécifiques. Donc les registres qu'on trouve dans la première page, qu'on ne trouve pas dans la deuxième, la troisième et la quatrième. Et bien sûr, il y a des registres qui sont là, qui sont dans toutes les pages. D'accord? Donc on doit avoir toujours leur accès. Alors l'accès se fait par quoi? Il se fait par les bits RP0, RP1 qui se trouvent dans le registre statut. Donc, 2 bits, ça permet de donner 4 combinaisons. Chaque combinaison, ça permet de faire l'accès à une page. Bien sûr, donc ici, on vous donne l'adresse initiale, l'adresse finale pour chaque page. D'où elle commence, jusqu'à quelle adresse finale. Voilà, concernant les instructions. Alors, donc ça, c'est un avantage parce que le même jeu d'instructions par quoi on travaillait dans le 800, dans le 16F84, c'est le même. Ça veut dire les mêmes instructions orientées jeu, registre, bit, constante, les call, les go to, donc c'est le même, c'est la même chose. Voilà, donc c'est la même feuille qu'on peut travailler avec. Alors, les ports parallèles d'entrée-sortie. Donc, on a 5 ports, d'accord? Donc, le port A, B, C, D et E. Le port A, cette fois, est sur 6 bits.
ou bien 6 lignes d'entrée-sortie, 8 broches, 8 lignes d'entrée-sortie, 8 lignes d'entrée-sortie et 3 lignes d'entrée-sortie. Bien sûr, chaque port lui convient un registre de direction, trisse, donc lui est propre, trisse A jusqu'à trisse 1. Alors, pour une configuration soit en entrée, soit en sortie. Alors, concernant le port A, d'accord, donc il est constitué de 6 lignes. Comme vous voyez, il y a un partage entre les lignes d'entrée-sortie et les lignes, voilà, donc, à convertir. Ce sont des entrées analogiques. Donc, vous trouvez RA0, par exemple, AN0. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, cette ligne, elle peut être utilisée comme une entrée du port, donc une entrée numérique, comme elle peut être une entrée analogique à convertir. Autrement dit, le convertisseur analogique numérique présente ses entrées sur le port A et sur le port E. D'accord? Donc, bien sûr, avec une certaine configuration. C'est pas aléatoire, mais il faut le préciser dans la configuration qu'on va voir plus tard. Alors, les timers sont en nombre de 3. Donc, vous avez le nombre le timer 0, de taille 8, le timer 1 de taille 16-8, le timer 2 de taille 8. D'accord? Donc, le timer 0, le timer 1 peut fonctionner en timer ou bien en compteur. Donc, la chose qu'on a déjà vue, ça veut dire soit avec une horloge interne ou bien externe, ce que vous voulez. Par contre, le timer 2 est seulement un timer d'une entrée externe. Alors, donc, les deux sont utilisés pour la fonction capture comparaison, voilà, donc pour générer des signaux MIDI. Le convertisseur analogique numérique, donc, c'est une application très, très importante pour le 16F ou 177, d'accord? Donc, c'est sa plage de fonctionnement. Donc, c'est un convertisseur à approximation successive, on a déjà vu. Alors, les caractéristiques principales des convertisseurs analogiques numériques sont la tension de référence et la résolution, qui est le nombre des bits qui nous donne une idée sur la précision. Alors, ce convertisseur est constitué d'un multiplexeur, voilà, donc il permet de faire un choix entre plusieurs entrées, donc laquelle qui va être passée vers le convertisseur pour qu'il soit converti, voilà. Alors, vous avez 8 entrées, donc comment on va les sélectionner ou bien comment on va les choisir? Tout simplement en faisant une sélection à partir de 3 bits. Alors, donc, où se trouvent ces 3 bits? Ils se trouvent dans un registre de configuration, d'accord, du convertisseur. Voilà, on va les positionner selon notre choix et la valeur qui convient, donc ça permet de choisir l'une de ces entrées. Après, donc, la tension de référence, elle aussi, donc on peut la choisir soit interne, soit externe. Externe, on la prend à partir des entrées RA2 et RA3. Alors, donc, le convertisseur analogique numérique, il se base sur la configuration de 4 registres. Ces deux-là, le adresse L et le adresse H, ce sont deux registres qui permettent de prendre ou bien de contenir ou bien de mettre dedans la valeur convertie. Alors, avec le nombre binaire qui est sur 10 bits, alors si on utilise un seul bit, il est insuffisant. Donc, si on utilise un seul registre, il est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'un registre, il contient tout simplement 8 bits. Donc, la taille d'un maximum, c'est uniquement 8 bits. Alors, nous, le nombre converti est sur 10 bits. Donc, on a besoin de deux autres bits. Donc, où on va les mettre? Tout simplement, on va les mettre dans un autre registre. Bien sûr, la conversion pour lancer la conversion et la surveiller, d'accord, et faire le choix entre les multiplexeurs, etc., on a besoin de deux autres registres, le ADC ON 0 et le ADC ON 1. Alors, pour le premier registre de configuration, donc le voilà, 6 bits ne sont pas utilisés. Alors, le ADFM, alors bien sûr, il peut prendre soit 1, soit 0. Si on donne la valeur 1, ça veut dire qu'on a choisi une justification à droite. Si on donne 0, ça veut dire qu'on choisit une justification à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, puisque le nombre est sur 10 bits, d'accord, donc soit la totalité des 8 bits. Il se passe vers la droite. Donc là, c'est une configuration, c'est une justification vers la droite. Alors dans ce cas, le registre adresse L, c'est lui qui va prendre la totalité des 8. Alors il reste 2, donc ils vont être mis
dans le registre adresse H. Pour la justification gauche, donc comme vous voyez, la totalité des bits, il va être prise par le adresse H. Il reste 2 bits, ils vont être mis dans l'adresse L. Alors, pour la justification, c'est tout à fait votre choix. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, les autres bits du convertisseur du registre ADC en 1. Alors, donc, il s'agit de 4 bits. Alors, Adlibit, bien sûr, il fonctionne en ensemble, donc de 0,0 jusqu'à 1. Ça permet d'avoir 16 combinaisons possibles. Alors, les 16 combinaisons sont résumées dans ce tableau. D'accord? Alors, Adlibit, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de faire un choix sur les entrées du port A et du port E. Tout à l'heure, on a fait la remarque, il y a un partage entre les entrées analogiques ou bien numériques, donc ils sont résumés dans ce tableau-là. Selon ce que vous voulez, vous pouvez donner le code correspondant. Si on prend l'exemple 1, 0040, ça veut dire que notre choix veut que toutes les entrées, le port A et le port E, sont en entrée analogique, ça veut dire sont utilisées pour le convertisseur analogique. Si on prend la dernière combinaison, donc on trouve DDD, ça veut dire numérique, ou bien ça veut dire digital, et que les entrées sont numériques, sauf l'entrée RA0, c'est elle qui peut être utilisée comme une entrée du convertisseur, entrée analogique. Et les entrées de référence sont externes, donc ils sont portés sur les entrées RA2, RA1, RA3. Voilà concernant le registre ADC en 1. Concernant le deuxième registre, c'est un registre de configuration du convertisseur. Alors, ça permet de donner une idée sur le fonctionnement du convertisseur, quand est-ce qu'on le démarre, quand est-ce qu'il sera arrêté, etc. Alors, commençons par ces deux bits-là. Voilà, donc deux bits, ça permet de donner quatre états possibles, passant par 0,0 jusqu'à 1. Alors, le rôle dielum, ça permet de choisir la fréquence du convertisseur, ou bien la vitesse, la fréquence ou bien la vitesse de la conversion. Alors, les trois, CHS0, CHS1, CHS2, ça permet de choisir le canal du multiplexeur à, voilà, celui-là, à convertir. Donc 0,0, ça permet de choisir la première ligne. Le 1,1,1, ça permet de choisir la troisième. Donc le signal qui est ici, c'est celui qui va être passé au convertisseur. Alors donc, il nous reste ces deux. Le premier bit, celui-là, ça permet de mettre en service ou bien hors service le convertisseur. Celui-là n'est pas utilisé. Alors, le troisième bit, ça permet de démarrer une conversion. D'accord? Alors, donc, de la démarrer, on le positionne à 1. Une fois la conversion est achevée, ce bit se passe à 0 automatiquement. Donc, notre rôle, c'est quoi? C'est attendre ou bien de surveiller ce bit. Ce qui se passe, il se passe à 0. D'accord? Donc, lorsqu'il passe à 0, voilà, donc, on dit que la conversion est terminée. On va chercher le mot binaire caché dans le registre adresse H et adresse L pour pouvoir travailler avec ou bien le faire sortir ou bien l'afficher. Donc, ça dépend de notre application. Voilà donc l'explication du le registre ADC en 0. Voilà un exercice d'application. Donc, maintenant, vous avez une tension analogique qu'on va la convertir, le résultat de la conversion, on va le poser dans le port C et le port B. Voilà, donc on a 8 bits, plus 2 bits, ça fait 10. Bien sûr, avant tout, il faut configurer, donc on suppose RA0, l'entrée analogique. Voilà, donc il faut configurer les ports A, B, C, ce qui sont en entrée ou bien en sortie. Alors, donc, voilà le programme, donc déjà fait. On va tout simplement le lire pour comprendre le principe, puisque c'est un exercice d'application. Alors, au départ, il faut configurer les ports en entrée, en sortie, à l'aide des registres trice A, trice B, trice C. Donc, vous allez voir qui est en entrée et qui est en sortie. Donc, c'était pour là, suivant le schéma.
Ensuite, on va commencer la configuration. Alors, donc, il y a des données qu'il faut respecter. Donc, selon les données, on va remplir le registre, le premier registre. Alors, le ADFM, qu'est-ce qu'on a dit? S'il s'agit d'une justification à droite, on va poser pour donner 1. Donc, mettre 1 ici. Les bits ne sont pas utilisés, donc on va leur donner 0. Et les 4 bits. Alors, donc, configuration on. Les 8 entrées sont analogiques. Donc, si vous vous rappelez, 0, 0, 0, 0, ça permet de choisir toutes les entrées comme des entrées du convertisseur qui vont être analogiques. Il ne faut pas oublier une autre remarque, c'est que les registres ne se trouvent pas dans la même page. D'accord? À chaque fois, il faut rappeler la page où contient, où se trouve chaque registre. Par exemple, le premier, il se trouve, je pense, dans la page 1. Voilà. Alors, ici, n'oubliez pas que pour passer à une page, il faut positionner les deux bits RP0 et RP1, puisqu'il s'agit de 4 pages. Alors, pour configurer le ADC en 0, voilà. Donc, là, il faut choisir la fréquence de l'horloge, déjà indiquée ici, divisée par 32. Donc, je pense 1,0 ici. Voilà, donc il est dit. Et mise en service, donc il faut donner 1 donc, pour mettre on le convertisseur. Ou bien sûr, le canal RA0 qui est utilisé, donc 0, 0, 0, 0. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ça fait 81 en hexadécimal. Le mettre dans le registre ADC en 0. Voilà. Alors après, donc pour commencer une conversion, il faut mettre le démarrage du convertisseur. Donc go. Il faut le positionner à 1. Voilà. Donc start conversion. Ensuite, il faut attendre. En attendant que la conversion soit terminée, il faut tout simplement attendre ce bit, il soit à 0. Voilà, s'il est à 0, on fait le test suivant. Alors, bit test FSC, le bit du registre ATC en 0. Donc, s'il est à 0, oui, donc on va sauter. Sinon, il faut attendre. Voilà. Alors, s'il est à 0, ça veut dire que voilà, la conversion est terminée et le mot binaire est mis dans adresse H et adresse L. Aussi, les deux registres ne se trouvent pas dans la même page. Il faut avoir l'accès à chaque fois. Alors, mettre, puisque c'est une justification à droite, ça veut dire que le bit L, la totalité se trouve dans le registre adresse L. Alors, on va le mettre dans le port C. Et les deux autres, on va les mettre dans l'adresse H, donc pour les mettre dans le port B. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, on va se communiquer par la suite. Alors, pour mieux comprendre, donc, essayez de refaire cet exemple d'application, d'accord? Aussi faire l'examen national 2009. Donc, la session normale traite bien l'exemple du convertisseur, bien l'application du convertisseur analogique et numérique.